Voilà, Pierre, eh ben, c'est Janine, ton élève, qui t'appelle pour te dire une très bonne nouvelle que j'ai eue aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, j'étais en réunion avec, on était une vingtaine, et il y a une collègue qui était assise près de moi et qui m'a dit, oh mon Dieu, que je vais avoir mal, j'ai mal à mon dos, j'ai mal, j'ai mal. Et puis la pauvre, mais alors j'ai vu son visage tordu par la souffrance. Alors je lui ai dit, écoute, pose ta main sur la table. Et j'ai regardé tout le corps, tu sais, qui passe sous le bas de la main, là. J'ai fait pour voir donc de la tête jusqu'au tronc. Et puis arrivée au milieu, elle a dit, ah, ça me fait mal. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, ben donne-moi l'autre main, je vais regarder. L'autre main, rien. Alors je suis retournée à la main gauche, je suis tombée sur le poing qui encore lui a poussé un petit cri de douleur. Et puis je lui ai dit, ben écoute, pendant 10 minutes, je vais te tourner dans le sens inverse de la montre, il faut que tu prennes patience et je vais te... Voilà. Et je lui ai fait ça. Écoute, il n'y avait pas 10 fois que j'avais tourné le poing dans... Elle me fait, mais j'ai plus mal. Mais j'ai plus mal. J'ai dit, bon, écoute, c'est bien, ne bouge pas. Je continue quand même pour vraiment t'enlever, vraiment essayer de t'enlever cette douleur. Eh bien, écoute, incroyable, incroyable. Elle a passé toute l'après-midi avec nous, elle avait un visage, elle était heureuse, elle faisait que me dire, mais c'est pas possible que j'ai plus mal, c'est incroyable. À peine tu m'as fait ça, tu m'as tourné là comme, mais j'ai plus mal, alors que d'habitude il me faut des cachets. Voilà. Alors, Pierre, je t'ai appelé parce que j'étais tellement heureuse que tes cours nous aient donné ce moyen de venir en aide qu'il fallait que je te le dise. Allez, je ne prends pas plus de temps au téléphone. Merci, merci, merci.